Re, mes amis, c'est reparti avec ce lac des ténèbres que j'ai. Oui, je me la joue Bob Lennon et je vous en pop out. Voilà. Honnêtement, ça rame parce que je suis sur un PC. Après, le jeu est très bien fait. Bah, si ce n'est qu'il faut comprendre le japonais, il faut pas être comme moi, il faut pas être une quiche et chercher ces trucs au hasard parce que vous allez vite vous rendre fou. Donc voici. Et là, on va tenter le sprint final. Alors, théoriquement, je suis censé aller à 140 km à l'heure, mais en vrai, je dois aller à 70 km à l'heure. Parce que là, avec le lac qu'il y a, pas loin, là, je dois être à 80 km à l'heure. On dirait ma vieille voiture, quoi. Et voilà, battle finished. On en aura chié pour le finir, ce battle. Tout ça pour gagner ça? Ouais. Alors j'essaie de pas gueuler pour éviter pour préserver vos oreilles, parce que déjà j'ai la voix qui porte, donc ça. Il fait froid dans ma chambre, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Ensuite. Donc le SM c'est les pneus, hein, c'est pas l'orientation. Enfin voilà. C'est pas ce que ma voiture aime comme sexualité. Ensuite, vous voyez la liste, la rangée de sponsors. Hein. Hop, les suivants. Tac 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 tac. Alors maintenant passons au réglage, parce que là la voiture j'ai remarqué qu'elle était trop longue. Alors là je vois venir trop longue, il a pris une MX5, c'est une machine qui fait 1 mètre sur 1 mètre, c'est limite pire qu'une Smart. Donc en fait quand je dis trop longue, c'est que la boîte de vitesse ne permet pas d'exploiter parfaitement la plage moteur. C'est pour ça que je viens de raccourcir la boîte. Là, vous me dites non, tu l'as rallongé. Eh ben non, c'est quand on dit 4,7 au lieu de 4,3. 4,3, c'est un rapport long. Plus le rapport final sera élevé, et plus le rapport, et plus la boîte sera courte, et inversement. Donc ça, c'est l'alignement. Alors ça, si vous n'êtes pas mécano, je ne vais pas vous faire cet affront. Pour les mécanos, voilà. Alors ceux qui, je vais quand même faire une petite explication. Alors, le alignement tau, c'est le parallélisme, ce qui en général dans la vraie vie fait que votre voiture va tirer à droite ou à gauche. À l'arrière, pareil. Négatif, positive, ça c'est le carrossage. Alors, le carrossage négatif, c'est quand votre voiture elle fait un peu comme les vieilles voitures, vous savez que quand vous regardez votre voiture de face, les roues font des triangles par rapport au sol. Et bien là, c'est un peu pareil, sauf que là. What? On va tenter ça. Vu que ça a plein de bon côté, donc on va suivre ça. Ensuite, les suspensions. Là, ça, c'est ma partie préférée. C'est là que les gens ils me disent que je suis fou. Parce que j'assouplis mes suspensions toujours. Et je dure ça. Alors ça, c'est le ressort. Donc ça, c'est la force et force que j'applique pour raccourcir le ressort. Ça, c'est la force que j'applique, enfin, la force que mon amortisseur va appliquer pour retendre le ressort. Donc, si je le mets trop hard, le ressort, ça va être une atrocité, quoi. Là, la barre stabilisatrice, plus elle est dure, et moins la voiture a tendance à prendre du roulis, donc à se pencher dans les virages. Mais si cette barre stabilisatrice est trop dure, et il va se passer un phénomène, c'est-à-dire que la voiture va être dite bout de point. Ce qui va être assez embêtant pour prendre certains virages. Brake balance, l'idéal c'est de mettre 7 à l'avant et 3 à l'arrière. Alors là, pour les circuits rapides, le mieux c'est le 10, parce que bah, c'est ce qui est si t'appuies sur la. Sur la truc arrière. Alors le DGL, je vais pas me lancer dans une explication parce que même moi j'ai du mal à le comprendre. S'il y a quelqu'un qui veut bien m'expliquer, ça m'arrange. Et ça, c'est l'augmentation de la taille des pneus. Plus le pneu est grand, moins si, enfin, plus la jante est grande, moins le pneu se déforme parce que moins il y a de pneus à déformer. Et plus la voiture théoriquement tient la route. Théoriquement, c'est entre la théorie et la pratique, il y a une grosse différence. Alors maintenant, nous allons partir sur
On va pas vous refaire du RP. Eh ben, c'est Tsukuba, c'est parfait. On va vous faire faire du SP. Ha du SPA. Oh, oh, oh. La petite musique de merde. Ah, ça va, je vais essayer de faire de pas faire durer ça longtemps. Je vais vous éviter l'affront de ma conduite parce que j'ai pas une super conduite. Alors, j'enregistre en 20 FPS, donc ça va être un peu moisi comme qualité, mais bon, je verrai ça. Alors, par contre, ça, c'est assez bizarre. Il y a du trafic sur la piste. Donc voilà, là, je l'ai appelé, et on va lancer une course. Alors, ce qui est bien, c'est que comme je suis sur un circuit court, ça va être très sympathique. Donc il y a ma voiture contre la superbe Nissan Silvia S14 d'à côté. Je me prends une tannée à l'accélération. Alors pourquoi je ne prends pas tannée à l'accélération? C'est l'intérêt de raccourcir sa boîte. Raccourcir la boîte va vous donner beaucoup moins de vitesse de pointe, mais en contrepartie va vous conférer une plus grande accélération. Et inversement. Alors pour ceux qui me demandent pourquoi, je leur expliquerai ça. Je suis pas en BTS de mécanique pour rien, hein. Alors, voyez en haut, il y a deux jauges. Il y a la jauge verte et la jauge rouge. Alors, la jauge verte, c'est la jauge du premier. Hop, là, vous voyez, on est à peu près à égalité, donc les deux sont vertes. Donc en fait, plus le deuxième va s'éloigner du premier, et plus la jauge rouge va diminuer. Regardez, je suis passé deuxième, ma jauge est devenue rouge. Maintenant, je vais passer devant, sans pitié. Regardez que sa jauge commence à descendre. Hop. Pourtant, je le frappe pas ni rien. Par contre, si je prends des chocs, si je sors de la piste, ma jauge va descendre. Alors quand je dis sortir de la piste, naturellement, c'est pas mettre une roue dans l'herbe, c'est mettre les quatre roues dans l'herbe. En général, on évite parce que dans ce jeu, quand on met une roue dans l'herbe, enfin quand on met les 4 roues dans l'herbe, ça équivaut à faire du 52 ou du 70 km à l'heure. Pour gagner un battle, c'est pas super super pratique. Voilà. Donc là, on vient de ruiner un. Passons au suivant qui est juste devant moi. Par contre, je vous repasse l'affront du lag. Voilà, alors là je fais le boulet, j'arrive à fond derrière lui. Alors ceux qui ont joué à la série des Kaido Battle s'y retrouveront un petit peu. Bon, vous voyez du coup les manos sur le côté, ils masquent complètement l'écran. Mais bon, on s'y fait vite, on oublie vite qu'il y a un gros truc sur le côté. Parce que oui, même si votre voiture est refroidie, ça ne va pas pour autant dire qu'elle va jamais chauffer. Elle va quand même chauffer. Plus lentement, certes, mais elle va chauffer. Et le problème qu'il y a, comme je vous l'ai déjà dit, en chauffant, elle perd ses performances. Alors pas de ses performances châssis, mais beaucoup surtout de ses performances moteur. Vous voyez. Alors là, par contre, à la fin de cette course, je laisserai une transition pour la prochaine vidéo, afin que vous puissiez avoir la suite. Voilà, donc là, nous voici. Alors, je vous laisse sur cet écran de victoire et je vous reprends à la prochaine vidéo.